Président, chers collègues, nos parcs naturels régionaux, voici une fois de plus un domaine où notre belle région est leader en France. En effet, avec 10 PNR répartis sur notre territoire, Auvergne-Rhône-Alpes est la première région de France par son nombre. C'est aussi dans notre région qu'a été créé le premier parc national en juillet 1963 avec le parc de la Vanoise en Savoie. Notre région a donc été très tôt sensible à l'importance des parcs, à leur plus-value, à leur rôle prépondérant dans la protection et la mise en valeur de notre patrimoine naturel, culturel et paysager. Les PNR sont pour nous de véritables leviers d'action pour améliorer le cadre et la qualité de vie de nos habitants vivant dans les secteurs très ruraux. Nous y sommes attachés parce qu'ils donnent un sens moderne à notre ruralité et permettent la mise en œuvre opérationnelle de notre volonté de répondre aux enjeux de l'écologie politique que M. le Président appelle de ses voeux. Le rapport de la Chambre régionale des comptes, très positif à l'égard de notre gestion, nous conforte d'ailleurs dans nos choix et dans la politique que nous menons depuis 2016 dans nos PNR. La Chambre souligne notamment que la région consacre des moyens budgétaires importants à ses parcs, 53 millions d'euros entre 2016 et 2020, et a mis en place un suivi administratif et financier rigoureux. La Chambre note également que la région a privilégié les dépenses d'investissement, la recherche d'une simplification des chartes ou encore le soutien aux missions d'innovation et d'expérimentation. L'équation est donc simple, rigueur budgétaire plus simplification des procédures égale capacité d'investissement et soutien à l'innovation. Nous l'avons d'ailleurs largement évoqué ce matin. Aujourd'hui, et alors que plusieurs révisions de chartes vont s'engager dans les prochains mois, la région souhaite impulser un nouveau... Merci.